Eh bien, salut à tous, c'est MrSX96. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment bien débuter sur Feed the Beast. Et on se retrouve directement dans les mines. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais pas y rester longtemps. C'est juste parce que j'avais oublié de vous montrer un truc. C'est ceci. Donc, moi je l'appelle Charlie, mais ça s'appelle un. Attendez, je vous montre. Tac, 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 tac. Un mining turtle, voilà. Donc, comment le craft? Attendez, hop. Hop, voilà, hop, tac. Donc vous faites une pioche en diamant, ça, ceci, ceci, donc c'est facile, et voilà. Donc ceci, à quoi ça sert? Bon, toujours ces bugs à cause de frappe, je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Donc ceci, comment ça marche? Donc, ici, dans le petit carré, vous lui mettez un peu de charbon pour qu'il puisse avancer. La cobble, je m'en contrefiche, puis je n'ai pas très loin besoin. Et vous écrivez tunnel et la quantité de blocs que vous voulez. Donc je vais faire 5 par exemple, de quantité de blocs qui va creuser. Donc il fait des trous comme ceci. Donc il creuse tout ce qu'il trouve, hein. Que ce soit obsidienne, tout ce que vous voulez. Et même il traverse la lave là-bas sur le retour. J'ai dû traverser la lave pour le récupérer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu autant d'obsidienne, voilà. Donc on le laisse creuser 2 minutes et ensuite on remontrera pardon pour aller faire créer des nouveaux. Bon, voilà, il a déjà fini. Donc qu'est-ce qu'il nous a récupéré? Il nous a récupéré 4 blue chain. Attendez, je les mets juste par terre pour pouvoir les récupérer autrement. Voilà. Et sinon il y a aussi un attendez, excavate, voilà, comme ceci, et vous mettez. Donc celui-là, ça veut dire qu'il va descendre, mais maintenant il faut mettre sur combien il va descendre. Donc je mets sur 3. Vous allez voir qu'il faut faire un carré de 3 sur 3 pour descendre. On va peut-être creuser par là. On va vous mettre un peu de lumière pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Bon, il faut. C'est pas sûr. Des fois, c'est pas spécialement le point milieu où il va commencer à creuser. Donc là, et ensuite il va descendre jusqu'à qu'il puisse plus. Mais je vais le récupérer. Hop. Et faites gaffe parce qu'il peut il peut vous tuer. Voilà, ça c'est chose dite. Voilà, allez, on se retrouve plus tard, juste quand je suis remonté de la surface. Allez, à plus. Eh bien voilà, on se retrouve pour la suite de cet épisode. Donc tout d'abord, je vais juste enchanter ma pioche en espérant qu'avec vous, vous me portiez chance. C'est parti. Oh là là, c'est pas trop mal. Infortune. Il me faudrait juste comment ça s'appelle? Je sais plus, mais c'est pour pouvoir récupérer par exemple les blocs de diamants en blocs de diamants. Comme ça au moins après on peut les avoir à double, donc avec la même manière que le fer. Donc c'est ça, je ne comprends pas. Donc c'est dès que je filme que ça lance ça. Je comprends vraiment pas. On va juste poser tout ça. Donc j'ai pas eu le temps de faire cuire tout ça pendant les entre depuis les épisodes, puisque ça a pas mal bugué et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous sorte une vidéo le plus tôt possible. Voilà. Bon, j'ai quand même pu faire cuire quelque chose. Donc ici aussi, juste pour vous montrer ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai mis un World Launcher. Je sais pas si ça marche en solo, mais en tout cas vous savez, enfin sur les mondes, enfin en serveur pardon, voilà, certaines machines ne tournent pas s'il y a pas quelqu'un à côté, et ça fait comme s'il y avait une présence. Et donc en parlant de serveur, j'aimerais juste vous demander si l'un d'entre vous sait faire des serveurs, puisque j'aimerais bien pouvoir mettre ma map en serveur et même vous inviter dessus et toujours continuer mon aventure dessus. Donc je sais pas, voilà. Alors maintenant, donc dites-moi dans les commentaires si vous pouvez le faire. Donc voilà, je reviens donc sur un épisode 7 que j'avais foiré et donc que j'ai supprimé, puisque le mode Mistcraft, puisque c'est avec ça qu'on crée les mondes, a tout complètement changé. Et même j'ai essayé de m'informer et j'ai rien trouvé en français, donc j'ai pas, peut-être je serai le premier à le faire, j'en sais rien, mais en tout cas je vais le faire. J'ai réussi à le traduire de l'anglais, donc j'ai quand même réussi à m'informer. Donc j'ai tout préparé ici, donc je me suis déjà fait ça, mais s'il faut expliquer comment faire, il vous faut absolument du cuir et des feuilles. Voilà, donc ça s'appelle un writing desk. Tac 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 tac, writing. Mince. Writing desk, donc pas celui-là, hein. Ça c'est pour les cheater. Voilà, donc c'est pas trop dur à faire, il faut juste ça et ça. Ensuite, ça se pose comme un lit, donc à deux. Donc ça va nous servir à remplir nos feuilles.
Ensuite, là-dedans, vous prenez simplement un livre. Vous prenez un livre, vous le mettez là, ça va vous faire un livre vert. Donc c'est à l'endroit où vous le craftez, ça va vous faire revenir dès que vous voulez vous téléporter. Ensuite, ça c'est des bookstands, c'est pour poser les livres. Donc des bookstands qui sont vraiment faciles à faire. Ça va pas changer d'avant, ça, hop, voilà, comme ceci, et ça sera pour poser des livres. Maintenant, celui-là avant c'était faire mettre 8 plumes, mais maintenant ça a complètement changé. Donc maintenant, c'est... attendez, book... tac, c'est 3 cuirs comme ça. C'est bon, c'est pas spécialement plus compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On doit faire un bookbinder. Tac, comme ceci. Donc j'ai tout ça, j'ai préparé. Hop, tac, il faut ma table de craft qui est là. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, un bookbinder. Hop, on va le mettre, je sais pas où. Bon, on va le mettre par-dessus. Je sais pas si c'est... Voilà. Aussi, j'aimerais faire un petit truc pour vous montrer. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais en tout cas, il me semble pas. Hop. On peut faire quelque chose de très intéressant. Mais oui, je crois que je vous l'ai déjà fait en fait. Mais c'est pas grave, je vous le remonte. Tac. Et tac. Tac. Voilà, une pocket. Tac. Attendez, si je fais... Voilà. Une table de craft portable. Bon, il me semble que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Donc maintenant, avec ça, on doit prendre donc le cuivre et le papier pour pouvoir créer les livres. Avant c'était tout simplement une plume avec un livre. Donc vous mettez le cuir ici, pas les feuilles ici, mais ici. Voilà, c'est une feuille blanche, donc c'est un livre complètement au hasard qu'on va placer directement ici et qu'on va aller visiter. C'est parti. Hop, on va bien voir. Donc maintenant, ça a changé. Donc c'est plus les informations du monde qui reviennent, c'est à nous de les trouver, les informations. Donc, et merde. Oh, non, 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 non. Putain, je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con. Ah non, je l'avais avec moi. Je l'avais avec moi. Attendez, je reviens. Bon, voilà, nous revoilà. J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, donc j'ai pas pris de livre pour pouvoir revenir. Donc j'étais bloqué là-bas. Et donc j'ai dû faire un backup, mais énorme. Donc j'ai perdu pas mal de temps, donc... Voilà, vous voyez, j'avais fait une salle des coffres et tout, ma pioche et tout. Voilà, donc tout est parti. Donc on va quand même continuer ça. Sans... Voilà. C'est pas grave. Hop, ici, donc là-dedans. Voilà. Donc on refait notre bookbinder. Donc j'avais fait un portail du Nether que, bien sûr, il est parti. Puisque j'ai fait la connerie de... oublier tout ça, pardon pour le terme, mais ça m'embête un peu. J'ai fait vraiment la connerie à ne jamais faire. J'ai oublié de prendre le... Bouc vert, je pensais au moins que j'avais pris, mais même pas. Voilà, donc on repose ça. On se recraft. Et voilà, j'ai même pas de feuilles. Ok, hop. On se fait des feuilles. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, donc on se craft. En plus, le monde qu'on avait fait était pas mal, il me semblait. Donc ici, une feuille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie surtout pas notre livre vert avant de partir. On pose ça. On se craft un bookstand. Oh là là, ça m'embête vraiment. Puisque j'avais fait pas mal de trucs quand même entre les épisodes. Mais bon, c'est pas grave. On se remettra. Donc, vous voyez que là, je m'étais même fait deux coffres en diamant. Maintenant, je n'ai plus qu'un or. Voilà. Donc, aussi... Si vous voulez, je vais juste vous montrer un link modifier qu'on ne peut pas crafter. Donc je me mets 2 secondes en créatif juste pour me le donner. C'est juste histoire de vous montrer à quoi ça sert. Faut pas le mettre à côté de lui. Donc on va le mettre, je sais pas, même. On va le mettre là-haut. Voilà. Donc on s'enlève du créatif. Tac. Voilà. Donc ceci, ça sert à personnaliser vos livres verts. Donc vous le mettez là. Intralinking, c'est pour l'avoir avec vous. Following, c'est pour qu'il vous suive dès que vous passez le mont, c'est ce qui est le plus important. Et maintain momentum, c'est si vous êtes en train de courir pendant que vous l'utilisez, vous continuerez à courir. Voilà, au moins comme ça on est sûr de l'avoir tout le temps. Donc ça, avant on pouvait se le crafter, maintenant plus malheureusement. Mais pour la vidéo, je vous donne le droit de me le giver puisque je pense être le premier à avoir fait ça. Donc j'ai mon livre, j'ai tout, on peut y aller.
juste pour vous montrer le monde. Et ensuite, il faudra que je trouve des pages moi-même tout seul et je vous reprendrai plus tard dès que j'aurai trouvé des feuilles. Donc les feuilles, elles se trouvent soit dans les villages PNJ, soit dans des sortes de petites, soit dans des sortes de petites monuments vraiment. Mais c'est assez cool. Mais voilà, il y a plein de bibliothèques, donc c'est aussi pratique ça. Ensuite, on pourra faire assez le même monde. Ça, c'est cool. Bon, ça va bien laguer, je sens. Bon, on a quand même Hunger 4 et Weakness. Donc ça va faire mal, hein. Mais bon. Donc, sinon, votre livre vert. Donc, si vous en craftez un à chaque fois, vous posez un bookstand par terre, vous reposez votre livre dessus et vous pouvez vous pouvez revenir à l'endroit où vous l'avez crafté. Voilà. Aussi, oula, j'ai déjà la fin qui part, quoi. C'est un peu abusé. Ouais, bon, on va même pas aller rester là-dedans. Et puis, c'est pas du tout un mon sable. Et je crois même que c'est une île volante à voir sur la carte. Ah, ouais, c'est une île volante. Ça peut être stylé, mais bon. Allez, on retourne dans le monde principal. Voilà. Donc, ça sera peut-être un épisode un peu plus long, puisqu'il y a pas mal de matière. Voilà, aussi, donc si vous, par exemple, vous posez votre livre par terre, comme ça, voilà, vous pouvez aussi aller dedans. Mais si vous le récupérez, donc avec un item libre, vous faites shift, clic, droite, et vous le récupérez. Donc celui-là, on le laisse juste, enfin, on peut aussi le récupérer, attendez. Voilà, ça, il faudra que je refasse tout avant. Shift, mince, hop, j'ai pas fait ce que je voulais dire en plus. Voilà, avec lui, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut presque plus rien faire maintenant spécialement avec. C'est juste pour pouvoir découvrir. Donc moi-même, j'irai découvrir dans ce monde des pages. Je crois pas qu'il y en a en fait. Enfin, même que je me crape un autre livre. Que je fasse des nouveaux livres pour que je puisse avoir des pages. Et je vous reprendrai dès que j'aurai des pages. Et j'aurai rebâti à peu près tout ce que j'ai foiré. Voilà. Et mince, des zombies qui arrivent. Et ça lag. C'est pour ça que je vais aussi couper. Allez, à plus. Alors, nous revoilà pour la suite de notre épisode. Je me suis baladé dans quelques mondes, donc j'en ai même fait un peu trop, comme vous pouvez le voir ici. Et bah, je suis tombé sur un monde vraiment bizarre, donc regardez-moi ça. C'est un damier, ou un quadrillage, comme vous voulez. Et franchement, bon, je suis vraiment loin du spawn. J'étais tout le temps tout droit, et puisque j'ai ce livre, je peux pas. Enfin, tout le temps, hein. Vous avez qu'à le poser par terre à l'endroit où vous avez fini. Voilà. Allez, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Donc, vous voyez sur la carte un gros carré gris. Donc, ça veut dire que c'est ça. Donc, si vous trouvez ça ou un village PNJ, ça veut dire que il y a quelque chose dedans. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on voit plein de bibliothèques qu'on peut prendre pour avoir un peu plus de livres pour la suite. Un coffre caché. Oh, j'ai jamais trouvé ça encore. Voilà. Donc, on voit donc des caractéristiques de monde: Eternal Snow, Setting, Fun Planet Biome, South Obelisk. Voilà. Et on va lui prendre le coffre. Parce que j'ai un peu besoin. Voilà. On va faire ça aussi de l'autre côté. Oh, dommage. Et aussi, donc, dans un de mes mondes, j'ai trouvé un truc un peu bizarre. Donc, j'ai trouvé des bottes, des minerais déjà cuits et pas mal d'autres choses. Donc, c'était un peu bizarre, mais c'était genre une sorte de donjon. Il y avait des. Je sais pas, j'avais jamais vu ça de. Ouais, j'ai jamais vu ça, quoi. Je récupère ça, même si c'est pas utile. Voilà. Et voilà, on peut récupérer. On clique droite, on récupère. Donc c'est Bright Mushroom. Oh, ça peut être pas mal ça, Mushroom. Et Normal Razor. On va prendre un peu de bibliothèque encore. Ah ouais, pourquoi pas regarder dans les coins. Attendez, je prends ça aussi. Hop, j'ai combien de livres? 48, ok. Tac. Et on va se. Ouais, attendez, je voulais juste vous dire un truc avant de vous quitter. Je vais peut-être refaire cet épisode, mais sous une autre forme, c'est-à-dire juste en tutoriel à voir, puisque personne ne le fait. Et il me semble que j'ai un peu parlé un peu trop vite sur la première partie de la vidéo. Donc je pense essayer de le refaire, mais un peu différemment. Sous forme seulement de tuto, mais qui a rien à voir avec la série, mais genre, voilà, juste pour ceux qui cherchent. Donc aussi, là, on peut voir. Un truc d'abeille, voilà, une cruche,
mais qui ne sert strictement rien, même si on la casse, on peut rien faire avec. Voilà, donc c'est juste la déco. Bon, allez, on se retrouve après dès que j'aurai trouvé plus de pages et peut-être dans un village de PNJ. Allez, à plus. Allez, c'est reparti. Donc, ça sera sûrement un épisode un peu plus long, mais ce n'est pas grave. Donc, je reviens d'une longue recherche dans plein de monde, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la majorité que j'ai trouvé, c'était dans l'âge 16, donc celui que je vous ai montré dans la partie précédente, parce que les autres c'était soit des îles volantes, soit juste un carré volant, donc ça sert à rien. Non, c'était lui, pardon, c'est lui que j'ai été l'âge 12, pardon. Et donc maintenant, donc voilà tout ce que j'ai trouvé. Tac et tac, mais sauf que je n'ai pas celui qu'il me faut, c'est-à-dire le dance or pour avoir plein de minéraux. Donc ça, je le ferai peut-être plus tard, mais là pour l'instant, je vais vous expliquer comment faire. Donc maintenant, vous prenez votre notebook que j'ai mis je ne sais où. Tac, il est pas là. Ok, mon notebook. Bon bah c'est pas grave, je peux me recrafter, hein, c'est pas un problème. Ah oui, je sais. Tac, voilà, il est là. Donc, on va commencer par... allez, Rainbow, par exemple. Donc, vous le mettez là, vous prenez le notebook, vous le mettez là. Vous pouvez essayer de le mettre partout, là. Mince. Ça va pas le faire. Tac, vous pouvez essayer de la mettre partout, ça ne va pas se mettre. Donc il faut que vous la mettiez ici, n'importe où. Et ensuite, vous pouvez prendre le notebook et voilà. Donc après, si vous le mettez ici, vous voyez qu'il y a ça. Donc, si par exemple vous voulez copier une page, parce que ça sera c'est très important à faire. Si, par exemple, vous voulez dance or pour plusieurs mondes. Vous prenez, attendez, vous devez vous crafter donc des feuilles et des zinc vial. Donc, c'est quoi ça? Ah, je me disais, ah mince, il me faut une bouteille d'eau. Donc, je vais chercher de l'eau. Hop, on va en prendre deux, ça devrait suffire pour l'instant, juste pour vous expliquer. Bon, je vais en copier une autre. Tac, voilà, deux bouteilles d'eau. Pretty easy. Et donc, on revient là. Voilà. Et donc, vous mettez vos deux papiers. Attendez, je vais peut-être copier un qui est peut-être un peu mieux. Donc, aussi, je crois qu'on peut récupérer ça. Voilà. Attendez, je vais me trouver un qui est important. Je sais pas, en mettre. Village. C'est pas mal ça. Je pourrais trouver aussi pas mal de trucs. Donc, ça, vous pouvez par exemple le mettre là. Et ici. Bon, voilà. Tac. Vous le mettez ici, vous mettez ça là et mince, je me suis pas crafté ce qu'il me fallait. C'est super. Tac, tac, tac. Voilà, une viale. Hop. Si je fais pas de bêtises. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc le village a été copié à double. Ensuite, sinon, vous pouvez faire pareil. Ah, ça m'a même redonné une viale. Ok. Donc maintenant on a deux fois le village. Donc si vous en mettez ici. Ah non, c'est bien. Alors par exemple village, voilà, pardon. C'est, je crois que c'était comme... Attendez. Je vois plus trop. Ah oui. Tac. On va récupérer ça. Hop. Hop, pour l'instant. On met ça là-dedans. On met un papier vide. Il me rappelle bien. Voilà, un papier vide. On revient là-dedans. On met du papier vide ici. Hop, par exemple ici, je crois. Mais attendez. Hop. On met. Non, non. On remet ça là. On enlève ce papier vide. On avait dit village. Voilà. Hop. On met le village. Et on met du papier. Hop. Et on met notre vial. Normalement, non, ça n'a pas pris. Je comprends pas pourquoi déjà en plus. Tac. Par exemple, si je mets ça là. Ok. Je vous montrerai ça par la suite. Donc maintenant, si par exemple on veut créer un livre normal, donc vous vous rappelez comment faire, mais sinon.
Si on veut faire un... Bon, je vais faire un beau petit... Attends, on va mettre bright. Attendez, ça on va poser. Ça on va poser. Mon rainbow il est déjà dedans. On va mettre charge, pas trop ce que c'est. On va mettre, non pas dark, normal laser, non, black. End, on va essayer de mettre un peu, non pas de... pas pour l'instant, tac. Eternal Snow Blue. Donc aussi, si par exemple vous avez normal weather, donc dans les pages et vous mettez derrière blue, ben votre weather sera toujours... On va mettre flat aussi. Je vais dire rain. Clou de couleur. Ah ouais, donc voilà. Donc vous mettez clou de couleur et bleu devant et vous aurez ce que vous voulez. Non pas Skyland. Obélisque, cristal, illumo obélisque. J'ai trouvé. Obélisque. Voilà, Stronghold. Et je cherche encore. Attendez. Tag. Pinfall. Non, je cherche aussi une jungle. Donc j'en avais un. Star fissure. Normal moon. Rainbow. South. Glowstone crystal. Peach biome. Eternal snow blue. Eternal Snow, Mushroom Island, Black. Wow, mais il est où celui-là? Tac tac tac. Meadow Biome, pour avoir des biomes à peu près. Mince. Bon, pour l'instant, on va aller dans celui-là peut-être. Dark Sun, Jungle Biome, voilà. Donc maintenant, vous pouvez faire pareil ici. Donc vous pouvez mettre, et voilà, donc celui-là il aurait le jungle biome par exemple. Ensuite vous pouvez aussi faire, hop, vous pouvez regarder dans ce notebook là, donc village par exemple, je mets jungle biome, attendez, le village, tac, ça pour l'instant je le mets à côté. Attends, faut que je mette meadow biome, voilà. Donc ça veut dire que jungle biome sera meadow, ensuite le reste normalement ça devrait être bon. Tac, pour l'instant je laisse ça comme ça, et ensuite hop. Right. Maintenant, si je le mets là, si je dis pas de bêtises, voilà, ça me met tout. Donc juste avec un simple clic. Donc on va se le prendre celui-là. Je sais pas si j'ai mis des bons trucs, mais on verra bien. Hop, tac, voilà. J'ai mon livre, c'est tout beau. Alors toujours un petit temps de latence avant que le monde apparaisse. Le monde a l'air assez joli. Alors, la couche de soleil, j'espère. Ce qu'il nous faudrait, c'est Eternal Day et Dense Ore. Donc c'est pour après pouvoir se faire une quarry qui va peut-être marcher au panneau solaire. Et donc avoir pas mal de minerais. Voilà, alors. Oh, alors mince, c'est déjà pas stable. Ça va pas le faire. Donc déjà j'ai dit... Ok, pourquoi j'ai de l'eau partout? Tout, ça ne le fait pas. Et ça c'est quoi? Ça c'est un obélisque je crois. Bon, on revient, on va se refaire un autre. Je sais pas compris pourquoi il y avait de l'eau, mais c'est pas grave. Bon, je suis encore empoisonné, donc c'est celui-là. Et ouais, donc je vais créer mon livre en off. Allez, à plus. Voilà, je me rappelle. What, encore ça? Encore ce truc, ok, c'est pas grave. Donc je me rappelle, bon, j'ai juste été donner un petit coup d'œil. Donc vous mettez ça là, où est-ce qu'il est passé? Ah oui, aussi, je me suis aussi trompé sur ça, puisque j'ai mis toutes mes feuilles là-dedans sans les copier, justement. Donc j'ai fait un peu l'erreur qu'il fallait pas faire, mais bon, c'est pas grave. Surtout que c'était des trucs assez importants, malheureusement. Mais bon, alors comment on fait? On prend bon, allez, on va prendre, bon allez, on va prendre mushroom, non, ce que j'aurais dû prendre, je suis bête, je suis bête, je suis bête, j'ai pris tous les meilleurs en plus. Allez, end, voilà, l'end. Alors soit vous le mettez directement dans le notebook ici, et ensuite vous pouvez placer. Donc j'avais déjà placé, donc là c'est le taux d'encre. Soit vous placez un autre notebook ici pour qu'il se remplisse dans un autre, soit vous le mettez ici. Et vous faites un
droite. Voilà. L'encre a un peu baissé, mais on peut récupérer l'end. Voilà. Et donc, on peut l'avoir à double. Et donc, après, vous mettez ça plutôt dans vos livres que vous voulez crafter. Comme ici, je peux mettre l'end. Et donc, là, ce sera l'end. Voilà. Je vais essayer de me crafter un bon livre et un bon monde d'ici les prochains épisodes pour pouvoir faire notre première quarry. Mais pour ça, dans le prochain épisode, on va voir, je pense, le premier panneau solaire. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on va voir en gros, et un peu quelques nouvelles énergies. Allez, bye bye.